Je pensais que je me ferais descendre par les flics, façon Clyde Barrow. Balle, balle, balle. Recul beau comme un ralenti. Et effondrement du pauvre tas de barbac que je suis. Même pas. Et j'avoue que ça m'emmerde un peu. J'ai posé mon arme au sol. Alors, vous attendez quoi, les gars? C'est le grand moment de votre vie, pourtant. Ils ont fini par réagir. Bien trop tard. Au coffre? Pourquoi? Question. Acharnement. Mais je sens qu'il tremble. Les arcanes du pouvoir sont dissolues. Dans le sang, par terre, sur les pavés, une sixième république vient de naître. Je suis le gynécologue au forceps d'acier qui commet l'accouchement forcé de nouvelles possibilités. Je n'ai qu'une explication et elle suscite la hantise de chacun. Je ne suis rien, ni personne. Je n'ai aucun grief personnel à l'encontre de ce type, il n'a pas bousillé mon existence. Mais il était une erreur en lui-même. Il fallait qu'il crève. Il était la gangrène, j'ai été l'antidote radical. Je sais pourquoi je suis né maintenant. J'avais peur que mon cul reste collé au canapé. Excusez-moi d'en ressentir un immense soulagement, messieurs représentants des forces de l'ordre. Vous devriez scander « Le roi est mort, vive le roi !» Vous me décevez. Sa tête a explosé, je n'ai même pas eu besoin de tirer un second coup. Plus propre que soi-même. Je montre mon acte extraordinaire et mon visage ordinaire aux yeux de tous. Je ne suis pas entièrement coupable. Je n'ai pas commencé l'histoire, ni tout à fait innocent, puisque je la continue. Oui, aujourd'hui, je suis l'homme le plus connu au monde. Enfermé entre quatre murs muets, je sais que dehors, la rumeur ne parle que de moi. La France pleure son président grâce à moi. Je ne comprends pas que personne n'ait exploité ce filon avant moi. C'est inexplicable. Je n'ai rien fait de ma vie, mais j'ai abattu le président. Je ne suis ni fou ni mourant. J'ai pris cette décision en mon âme et conscience. Je n'ai jamais rien accompli d'aussi simple de toute mon existence. J'ai tué un loup. Et j'espérais moi aussi y laisser la peau. Il faut savoir perdre.
Je plaiderai la liberté d'expression, ni plus ni moins. Et si j'ai envie de provoquer un peu, l'acte des intéressés en faveur de l'humanité. Je ne suis pas un animal sociétaire. Et pourtant, j'ai fait quelque chose d'immense pour vous tous. Je demande la relaxe, monsieur le président. Je sens que ça va coincer. Alors maintenant, rien. La vision qu'on a d'une chose ne prête pas ses ailes à quelqu'un d'autre. Alors rien. Mais moi je sais la beauté de ce que j'ai accompli, et même sur les genoux, je ne la trouve pas amère.